Camara, tu as fait en sorte que le mec qui était doué avec les cordes ait attaché ses copains. Ils sont tous torse nus maintenant, à attendre le moindre de tes mots. Est-ce que vous voulez qu'on aboie? Ouais, on peut aboyer si vous voulez. J'aimerais que vous miauliez. Miaou! Ouais! Tu vois comment ça se comportait comme des chats. C'est à ce moment-là que Nafkalir, attiré par le bruit, tu passes la tête, tu reconnais la voix de Camara et tu vois ça. Je vais pas poser de questions, je vais aller dormir dans une autre chambre. Miaou! Bonne nuit. Alors j'ai un gratouillin qui ronronne. Elena, Herménor, à votre tour, vous passez, vous voyez ça. Maou! Clairement, Sarel fait une démonstration d'un vrai miaulement. Je te laisse faire. J'ai pas les cordes vocales qu'il faut, en plus il fait un peu froid en cette période de l'année. Là, je leur fais, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oui, maîtresse. Maîtresse, lequel d'entre vous va vous honorer ce soir? Waouh, je m'en vais. Ah ouais, on en est là. Ah, mais ils sont torse nus, ils sont huilés le corps, ils sont à quatre pattes devant toi, attachés avec des cordes. Même celui qui a un bras. Tu vois qu'ils sont pas tombés dans les pommes, lui. Je continue à observer la scène, perso. Je peux t'emprunter ton chat? De toute façon, il s'est déjà posé là-bas. Tu le vois qui joue à planter des griffes une par une dans les cordes du short. Je voulais le prendre, c'est faire comme ça sur le dos du mec avec ses griffes. Core, June, c'est à ce moment-là que vous passez vous aussi et que vous voyez cette scène. June is not in spread. Et là, June. Là, June, je mets la passe main sans même faire attention en vrai. Je mets la main devant les yeux de June. C'est pas pour toi, June. T'as quel âge, June? Je sais je plus. En pousse tant ta main. En tant qu'elfe. Je sais plus, attends, je te dis ça, c'est écrit quelque part. Je crois que t'es plus vieille que Core en fait. Je crois que je suis plus vieille que Core, ouais. Je suis pas du tout une elfe particulièrement jeune, donc. C'est écrit nulle part. Ah, si, c'est écrit là. Pas du tout écrit. Ah. Si, c'est écrit que je suis assez jeune pour une elfe. J'ai pas d'âge précis. 120 ans à peu près. Voilà. Un truc dans le genre. Vous avez à peu près le même âge avec. Ah, vous... eh, 108 ans comme corps, tiens. Voilà. On a le même âge. Mais du coup, je dégage ta main encore. Hein, et je continue ma vie comme si de rien n'était parce que. Ils font bien ce qu'ils veulent. Je note seulement dans ma tête que il parle pas très bien le chat. Hein. D'ailleurs, est-ce que tu as compris ce qu'a dit Sarel? Je pense que oui. C'était pas très joli. Il a dit quoi? T'aimes ça? Non, clairement, il les insultait. Il les insultait très, 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 très beaucoup. Notamment leur accent, leur méconnaissance de la grammaire. Enfin, franchement, c'était ridicule. Je vous raconterai après en stream. On avait vraiment dit des miaulements de bébé chat, quoi. Enfin bon. Assez rapidement, quand même. Ça rêve, ça suffit maintenant. Laisse Dulcamara jouer. Tu vois qu'il a fait limite, hein, tu sais, un morpion sur le dos. Ah, et moi, avec mon ongle, tu sais, je fais un rond dans sa tête. Ok, tu peux encore faire 3 parties de morpion et après, ça suffit. Bah, il en reste 3 qui ont pas le dos là. Là, je demande à Dulcamara. Dude, tu veux que je fasse comme d'habitude et que je chante pendant que tu fais tes trucs? J'avais oublié qu'on avait... Ah bon, on a d'habitude. Ouais, écoute, vas-y. Bernstein, au plat. Fais-moi un geste, s'il te plaît, ça va être de charisme, pour voir à quel point ton chant enchante leurs oreilles. Sauf si tu veux les faire souffrir, donc pour voir à quel point ton chant démolit leur tympan. Au choix. Oui, s'il te plaît. S'il te plaît, fais après le jeu. Euh,
J'utilise mes plus 2. c'est réussi à 15. Je vous rappelle, au niveau 1 à 15, vous réussissez vos jets, sauf indication okay. contraire. Donc, j'ai pas... bah oui, je chante un chant de... Je sais qu'elle aime bien faire souffrir. Je chante un chant de lamentation qui... Oh baby, 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 oh! Non, là c'est ce qui avait fait 20 du Justin Bieber. Hein. Ce serait plutôt. Du François Valéry. Est-ce qu'il est né? Je te survivrai, vous me subirez, vous me subirez, vous me subirez. Du coup. Et là je suis avec ma cravache en rythme. N'oublie pas, t'as encore des parties de morpion et il y a le chat qui est en train de te battre. Ah merde! Dil Camara, je vais te poser une question très importante. Comment comptes-tu finir cette session? Tout repose sur tes épaules et sur ton fouet. Enfin, sur ta cravache. Tu as 5 hommes à tes pieds, littéralement, en sang, littéralement, en pleurs, littéralement aussi. Prêt à tout pour goûter aux fruits défendus de Dul Camara. Tu voulais juste respirer leur souffrance, quoi. Ah, mais là... Alors, si je peux, t'es à toi de choisir, hein, mais tu es proche de l'orgasme, quand même. Là, il y a une souffrance accumulée entre la frustration sexuelle, entre les douleurs, entre l'humiliation. Là, il y a tous les plans qui souffrent, tout. Il y a une musique épique derrière aussi. Qu'est-ce que tu fais, des camarades? Comment vas-tu les faire souffrir? Comment vas-tu conclure cette séance? Alors, histoire de les achever, je chope corps par le col et je lui porte un gros béco sur la bouche et je lui fais « Tu viens ?» Ah non! Ils ont très mal, ils ont très très mal. Tu sens des vagues de douleur, de masculinité blessée. Qui est très... C'est plaisant. Et on sort, moi, tu vas sous, je lui fais... T'es style, on est limite en check, comme ça, yeah. Et après, du coup, les élucubrations de notre cher Dul Camara, Nafkalir, dis-moi, est-ce que tu as choisi un baraquement vide ou un baraquement où il y avait déjà des gens? Je t'avoue que j'ai pas vraiment fait gaffe, j'ai pris le premier qui passait. Je m'en fous de s'il y avait des gens à l'intérieur ou pas. Lance-moi un des 10, s'il te plaît. Du coup, tu es dans un baraquement où il y a déjà une personne en train de dormir. Ok. Tu vois juste, elle est sous sa couette, donc tu vois juste un mouvement comme ça. T'arrives pas vraiment à savoir si c'est un homme, une femme, si c'est de quelle race elle serait. Ok, de toute façon, j'allais juste aller tout droit, prendre un lit, me poser dessus et dormir. Ok. Vous voyez la chambre dans laquelle Nafkalir dort. Est-ce que vous souhaitez aller dans une autre chambre ou est-ce que vous souhaitez rester groupé pour la nuit? Moi, personnellement, je vais m'installer dans la même chambre. Ok. Oui, tant qu'à faire. Hein. Bah oui, autant rester groupé. Par contre, est-ce qu'on fait des tours de garde? Bah, si, c'est utile. Est-ce que le chat est fatigué? Le chat peut nous surveiller. Ah oui, les chats, ça dort vachement. Les chats, ils dorment 20 heures par jour. Ça dort quand même beaucoup. Ça dort la journée, la nuit, ça fait n'importe nawak. Hein, désolé. Est-ce que ton chat a sentinelle? Je ne répondrai pas à cette question. Mon chat est mon chat, et tout ce qui le concerne ne concerne que lui. Laisse donc son intimité à mon chat. T'es venu avec Pyrex? Non, Pyrex est dans l'écurie du coup. Il a pas de place dans la chambre. Il dort avec les montures. Ah ouais. Pas l'écurie avec les montures. C'est encore différent. Pardon. Ah bah t'es trop mignon. Non mais je reprécise, hein, je reprécise juste.
Y a pas la place dans de toute façon, moi, je suis trop crevée de, pour faire un tour de garde. T'sais, moi, j'ai trop d'émotions. Tu sais, c'est le truc de, après. C'est la petite mort. C'est le post-Covid. C'est la petite mort. Ouais, tu peux pas demander à ces 5 sbires de nous surveiller la chambre. Après le coup que je leur ai fait, à mon avis, ils seront pas trop. Ils seront pas trop d'accord. Par contre, si tu veux, je peux mettre une alarme sur la porte, mais bon, il y a un autre Gus avec nous de base. Oh, ça peut s'arranger, hein. J'arrive à vider le lit direct. Allez. Bah non, bah. Ouais, mets une alarme sur la porte et on va dormir. Ok. Alors. Vous avez, du coup. J'avais dit alors que c'était des lits superposés, mais en fait ça correspond pas à ce que j'ai envie de faire, donc ce ne sont pas des lits superposés. Vous avez une pièce comme ça, avec hop, des lits. Comment ? Une pièce rectangulaire, le baraquement. Ah. Vous avez hop, les lits qui sont en quinconce. Hop. Je ne sais pas de conneries. Tac et tac. Ça fait 2, 4, 6, 8. Vous avez. Seulement devant la porte, vous avez en fait devant la porte, vous avez juste un lit de chaque côté, et après vous avez deux rangées de 4 lits. Ça fait 10 lits. Qui dort où ? C'est très important. Alors sachant que le lit qui est occupé, c'est le lit tout de suite à droite quand vous rentrez. Bah, du coup moi, je respecte l'espace personnel et je suis allé à celui qui est diamétralement opposé. Ok. Donc au fond à gauche. Ok. Moi, je suis à côté de Nafkalir parce que je sais qu'il souffre encore et ça me détend. Dulka est là, du Camara est juste en dessous de Nafkalir, du coup t'es dans la rangée de 4 lignes du Camara, la première rangée de 4 lignes. Moi je suis en face de Nafkalir. Tu peux pas, il y a déjà quelqu'un qui dort dans le lit en face de Nafkalir, et en dessous il y a Del Camara. Je crois que j'ai pas compris. Nafkalir il s'était mis au plus loin possible de la personne qui est déjà là. Donc du coup moi j'étais au fond. Diamétralement opposé, excuse-moi. Oui. Voilà. Excuse-moi. S'il respecte l'espace personnel. Nafkalir, donc du coup, Kor, il est dans le lit à côté de l'entrée sur la gauche. Non, de l'autre côté. Non, il est tout au fond, mais de l'autre. Mais tout droite. Au fond, sur la vous rangée de droite, du coup. Horrible. Donc tu te mets, quand tu dis en face de Nafkalir, ça veut dire que tu te mets de l'autre côté. Voilà. Oui. Ok. Vous êtes horrible. Je me mets à côté de Dudule parce que pas dans la même rangée que Dudule parce que voilà, je sais comment elle est quand elle est excitée, hein, et que la dernière fois qu'elle a fait ça, elle m'a empêché de dormir pendant 3 heures. Donc il reste le lit directement en sortant sur la gauche. Il reste 2 lits, 4 lits en face de vous sur 2 rangées. Et un lit entre la personne qui dort et Kor. Moi, je vais me mettre à côté de Kor. Ouais, moi, j'allais dire que comme Kor va probablement ronfler avec tout ce qui picole tout le temps, je vais me mettre le plus loin possible de Kor. Donc, tu te mets de l'autre côté du mec qui dort. Voilà. Je ne ronfle pas, monsieur. Je réfléchis. Je décuve. Pardon, je réfléchis. Oui, je réfléchis. Bah oui, mon Timmy, tu veux des canards ? Bah oui. Ok. Est-ce qu'il reste un lit ? Il reste des lits, c'est des baraquements de 10, ne t'inquiète pas Elena, il reste un lit pour perdu. Toi. Bon, je sais pas où est-ce qu'il reste la place, du coup, j'arrivais pas à lire ton schéma. Je me mets dans le coin où il y a Herménor. Ok, donc tu te mets à côté de l'entrée, à côté du Camara. Qui est entouré de gens qui souffrent et qui est très contente. J'ai tellement bien dormi. Et June, tu m'avais dit à côté de Kor. Ok. Avec Beau. Ok. Comment vous préparez votre sommeil ? C'est vous vous jetez dans le lit comme ça, vous pliez vos vêtements, vous. Vous êtes mis un alarme sur la porte, c'est ça ? Non, je peux définir la zone d'alarme. Et du coup, dans la mesure où l'inconnu, on s'en fout un peu, je définis la zone pour nous inclure nous, mais pas lui. Qu'il puisse aussi partir alors qu'il veut sans nous réveiller, sans déclencher l'alarme, quoi, faut pas déconner. C'est pas con. Yeah. Ok.
Ok. Donc vous étalez tout votre long sur le lit, c'est ça? Ah ouais, comme... Ah non, non. Ah non. Non. Non, non. Moi, je fais mes... Je fais... Je pose mes armes correctement. Hein. Okay. Je les lustre un petit peu, parce qu'il faut bien entretenir ses armes. Hein, Ok. Et je bois ma petite tisane. Ok. June. Moi, je me cale avec Beau. D'accord. Et je dors. Vraiment. Je pose mes affaires sous le lit, quoi. Ou je sais pas exactement comment ça s'est fait. Je vous rappelle, il y a des coffres au pied de chaque lit. Voilà. Ouais. Voilà, je mets mes affaires dans le coffre. Je m'allonge, je prends Beau dans mes bras. Et gros dodo. Ok. Nafkalir, comment tu t'es endormi, toi? Vraiment, je suis arrivé et... Pouh et endormi. Ok. Dulka? Bah oui, moi j'ai pris mes affaires, mes armes, mon fouet bien enroulé dans le coffre. Je fais tomber la robe, je suis en culotte, j'ai rien à carrer. Je mets la robe aussi, je m'enroule dans la couverture et... Elena? Bah, est-ce qu'il y a un endroit pour se changer? Parce que j'ai une tenue de nuit, mais je me sens pas à moi de me changer devant tout le monde. Non, si tu veux être changé, faut aller dans une salle à côté. Il y a des salles d'eau juste à côté, si je me trompe pas. Alors oui, t'as une salle d'eau, en fait, quand tu sors de la zone des baraquements, quand tu sors des baraquements, en face, t'as les tables où vous étiez mises avec Malvelius. Si tu continues sur la gauche en suivant les baraquements, tu as une salle d'eau. Et si tu continues un peu plus sur la gauche, tu as les bains publics. Ah, le bain public, c'est une bonne idée aussi. Bah, tu sais quoi, je vais aller me laver vite fait, mettre mon pyjama, mon super pyjama. Super. Je vais retrouver mon serpent qui est caché quelque part dans mes couches de fringues, et ensuite je vais me coucher. Ça marche. Est-ce que tu peux nous décrire ton pyjama? Parce que ça, je sens que ça va envoyer du rêve. Alors, mon pyjama, c'est aussi une grande robe, comme mes grandes robes, sauf qu'il est en tissu tout doux. Oh. Vas-y, combien de temps tu mets en pilou-pilou? Ouais! Il y a des licornes dessus! Il y a des petites étoiles dessus! Des petites étoiles. Dorine, tu sais que tu vas devoir le réaliser pour qu'on puisse le commercialiser, tu le sais! Ce sera notre premier produit dérivé! En plus, avec l'hiver, ça va bien là! J'en veux un aussi! Moi aussi! On attend les plans, promis, je le mets sur Twitter et promis, je le commercialise. Mais vraiment, du coup, j'ai un questionnement. Tu mets combien de temps à le trouver dans ton sac? C'est pas dans mon sac, c'est dans mes fringues. Ah, ok, pardon. Je mets quand même un certain temps parce que j'ai plusieurs couches de fringues et plusieurs poches. Alors, je sais pas trop où il est. Qu'on soit d'accord, Laurine, Elena a un bag of holding. Donc, un sac sans fond, on appelle ça. Sac sans fond. Oui, un sac sans fond. Oui, c'est ça, un sac sans fond. Voilà. Mais tu ne le sais pas. Donc tu te rends pas compte, en fait, tu peux mettre trop de choses dans le sac par rapport à ce que tu devrais pouvoir mettre, et c'est pour ça que tu galères à trouver régulièrement les choses. Sans, je trouve jamais rien dans ce sac. Voilà. Mais tu ne sais plus comment tu l'as eu. Je crois que tu l'as récupéré vite fait. Il te fallait un sac pour faire des courses un jour. Tu l'as pris dans le placard de ton père ou de ta mère. Tu sais. Il traînait quelque part dans le manoir. Je l'ai trouvé. Voilà. Le sac, il a aucune histoire. En fait, il était juste là. Mais voilà. De trucs qui traînent dans cette baraque de toute façon. Ok. Vous avez tous dit ce que vous faisiez. Non. Ah oui, Arménor, pardon, excuse-moi. Je cherchais dans le. Alors, moi je me mets tranquillement dans le lit. Bon, je retire mes vêtements d'abord. Hein, je reste en caleçon, dans un endroit public, faut pas déconner. Pas, à peu près public. Mais je me glisse sous les couettes et Sarel va. Dormir sur Nafkalir. Nafkalir, est-ce que tu es allergique au chat? J'étais en train de me demander si je lançais un dé pour savoir, mais non. 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 Et il est tout à fait probable qu'à un moment de la nuit, Sarel s'installe sur le visage de Nafkalir. C'est beaucoup plus confortable pour dormir. Tout à fait. I'm a cat. je vais vous demander à part. Attends, moi j'ai pas fini. Ah. Bon, Cor, il a enlevé son armure. Hein, ouais. Il l'a mis correctement sur. Et il est nu sous son armure quand même. Normal.
normal. Je crois. Ça doit être tellement inconfortable. Ça doit vraiment pas être bien à porter. Bah, c'est de la fourrure, hein. Non, j'ai un caleçon, quoi. J'ai mes armes quand même à portée de main. Ça veut dire que si je suis réveillé en sursaut, alors peut-être pas les Méclès, mais ma dague. Toi, dague sous l'oreiller, quoi. Ok.